Ricky, regarde ça! Oh, formidable! That's beautiful! L'endroit est bien! Ricky, look! The end of the world. Boom! She came in 1950, my studio in Paris, and she saw a relief who was white and black, white forms and black behind, black background. Quite structured. With noises. Huh? And yeah. You told me, right away, why you don't put feathers on that? Remember? Yes. And I was very mad about this, Omar. Yes, he was furious for years. I was very furious for years. And then when he wasn't any furious anymore, we saw each other again and we started living together. Maybe. Yeah. And he put feathers? Yes. And I put feathers right away. En 1977, après une grave pneumonie, Nicky de Saint-Phalle est en convalescence à Caffrey, en Arizona, en compagnie de Jean Tinguely. 20 ans après leur rencontre, ils partagent ce temps entre création et repos. She was married with Harry Matthews in this time, an American poet, has 2 children. Huh? You had it already? Children? Yes. And you want to make a chimney? A chimney. And she wants that I give her a hand with some iron work that all thing fits together. It was a beautiful chimney she did. It was 1955. Mm-hmm. And there I meet Nicky. She was already dressed like. I never saw something before like that. Explain now. You can't remember? No. No. It's too long. Very strange. It's 20 years, my God. Long time. You can't cut that. Quand ils se rencontrent en 1955, dans l'effervescence artistique de l'après-guerre, ils ont 25 et 30 ans et viennent d'univers très différents. Marie-Agnès Fall de Saint-Phalle, aristocrate franco-américaine, est née à Neuilly-sur-Seine. Élevée à New York dans une institution religieuse, elle se révolte très jeune contre le racisme et contre le rôle de la femme auquel son milieu la destine. À 18 ans, elle est mannequin et peint ses premières toiles. Elle s'enfuit de la maison familiale avec un jeune et riche américain, Harry Matthews, qu'elle épouse en 1950. 2 ans plus tard, le jeune couple s'installe en France avec leur fille. Mais quelque chose manque à Nicky. Elle traverse une grave dépression. C'est la peinture qui la sauve des électrochocs. Elle a 22 ans. Jean Tinguely, lui, est né en 1925, dans un milieu ouvrier en Suisse. Pour se protéger d'un père colérique, il développe une passion précoce pour la lecture. Et c'est un adolescent cultivé qui fréquente les groupes anarchistes et communistes. Il suit les cours de l'école des arts appliqués de Bâle. Stirner, Schwitters et les dadaïstes sont ses mentors. Et il cherche déjà à sortir de la peinture qu'il vit comme une pétrification, un enfermement dans la toile. Il commence à travailler comme décorateur et affiche tout de suite une tendance provocatrice et drôle qui ravit les lèches-vitrines de Fribourg. Mais il s'installe à Paris avec Eva Epli, sa première femme, et y vit très pauvrement. Il travaille avec le mouvement et les moteurs et fait sensation quand il expose son premier relief sonore. C'est un artiste d'avant-garde rebelle que Nicky de Saint-Phalle rencontre en 1956 dans un modeste atelier de l'impasse Ronsin à Paris, à côté de celui de Brancusi. Elle est accompagnée de son mari et tombe immédiatement amoureuse du travail du sculpteur. Très vite, Tinguely et Saint-Phalle deviennent copains. Et pendant les 4 années suivantes, ils ont de longues discussions sur l'art, sur le flirt.
Souvent, Nicky accompagne Jean qui cherche ses matériaux chez les ferrailleurs, objets inutiles, à forte valeur poétique pour Jean et pour les nouveaux réalistes dont il fait partie à l'époque. Jean est subjugué par la poésie de la créativité de Nicky. Il lui apporte la certitude que la technique n'est rien, qu'elle s'apprend et que le rêve est tout. Nicky, qui ne sait pas dessiner, est bouleversé par cette idée qui la libère. Elle y puise la confiance et la force dont elle a besoin pour son œuvre. Tu aimais ma peinture, tu l'as prise au sérieux. Et aussi mes projets mal dessinés sur des petits bouts de papier. Dès lors, elle se consacre totalement à sa création. Elle quitte la vie conjugale et travaille sans relâche. Jean est très impressionné par les nouvelles productions de la jeune femme. Il lui fait rencontrer ses amis artistes. Et les nouveaux réalistes l'accueillent avec enthousiasme. Jean, tu étais très beau. Tu marchais comme une panthère et tu avais ces yeux magnétiques dont tu savais si bien te servir. Un homme beau, sombre, dangereux. Jean devient sensible au charme de cette rebelle et quelque chose bascule dans leur amitié. Je crois que je suis tombée amoureuse de Jean le soir où il m'a invitée à dîner et où à la fin, il a écrasé sa cigarette dans le beurrier. Venant du milieu qui était le mien, je ne pouvais qu'être fascinée par cette absence de tabou social où se reconnaissait l'esprit des écrivains anarchistes dont il avait été le lecteur attentif. Deux jours plus tard, les deux artistes commencent à vivre ensemble à l'impasse Ronsin. C'est à cette époque que Nicky rêve de faire saigner la peinture. Elle en parle à Jean, qui lui achète aussitôt une carabine. Et pendant deux ans, en pleine guerre d'Algérie, Nicky tire sur des reliefs composés d'objets pris dans le plâtre, dans lesquels sont dissimulés des sachets de couleurs. J'imaginais la peinture se mettant à saigner, blessée, de la manière dont les gens peuvent être blessés. La peinture était la victime. Qui était la peinture ? Papa, les hommes, mon frère, ou bien la peinture était-elle moi ? Me tirais-je dessus selon un rituel qui me permettrait de mourir de ma propre main et de me faire renaître ? En tirant sur moi, je tirais sur la société et ses injustices. En tirant sur ma propre violence, je tirais sur la violence du temps. Pendant les deux années passées au tir, je ne fus pas malade une seule fois. Quelle thérapie ce fut pour moi ! Mon obsession était que le relief soit totalement blanc avant le tir. Si nécessaire, je le repeignais 5 ou 6 fois. On peut dire que 1960, c'est l'année, c'est le top niveau au niveau des nouveaux réalistes. Hein. C'est là où il y a le manifeste. Vous avez ici un Balouba 1961, je crois, et un tir de 61 aussi de Nicky, donc Jean Nicky. Bon, ça c'est, je crois que là c'est exemplaire, hein, parce qu'on est dans une liberté avec l'objet qui est absolument totale. Là c'est encore de l'art total. Le Balouba, je me souviens, c'était... On parlait de l'Afrique à ce moment-là, donc c'est les trans, si vous voulez, africaines. C'est ça le Balouba. Il faut imaginer que la machine, elle marche, c'est pas une machine inactive. Et puis là, c'est Nicky, donc avec un tir. Quand on pense à Pollock quelques années auparavant, dans les années 50, et quand on voit le geste du tir de Nicky, là, on voit que l'art prend toutes les libertés. Jean et Nicky étaient toujours dans un état d'excitation. C'est-à-dire que c'était toujours dans la passion que les choses se passaient. C'était un défi, c'était la passion. Il fallait que ça aille vite, finalement. C'est pas un hasard si Jean, quand même, aimait les voitures de course. Il fallait que ça aille vite. Il n'y avait pas de remords, vous voyez, on ne pouvait pas revenir sur quelque chose.
j'essayais de faire la chose la plus belle au monde. Je parle là de Hommage à New York, la machine autodestructive la plus belle que j'ai faite en 1960 dans la cour du musée d'art moderne. Cette machine, elle était vraiment très belle. Elle était comme un fantôme blanc sur ce fond noir. Je faisais fonctionner tout contre tout. Et j'en pensais d'abord spectacle. Et en même temps, je concevais qu'il fallait que ce soit beau pour que ce soit regrettable que ça se démolisse. On voit cet état de transe un petit peu dans lequel ces artistes se mettaient. Ils étaient habités, excités. Ils prenaient le monde un petit peu comme témoin, comme ça. De la même façon, comme si, dans le fond, ils allaient se suicider, se jeter dans le vide, tout risquer, risquer tout. Je voudrais aller surtout en profondeur, dans le sens de la poésie, d'exprimer, d'essayer d'exprimer moi-même vraiment à fond, et comme ça, en exprimant moi-même avec toutes mes possibilités, j'exprime automatiquement la situation de la femme dans le monde d'aujourd'hui. Les mecs, ils sont tellement jaloux, ils peuvent pas piper le fait que la femme met au monde, ils ont fait des fusées, des gratte-ciels, des villes, n'importe quoi, pour essayer d'oublier que la femme, elle peut créer. Mais aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple, moi, si, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Le début du succès leur permet de déménager dans une ancienne auberge à Soisy-sur-École, à 1 heure de Paris. Mais ils aiment vivre en nomade. Ils voyagent dans le monde entier et travaillent partout où ils se trouvent, stimulés par les échanges avec les autres artistes. Quand ils sont loin l'un de l'autre, ils continuent à jouer en s'envoyant des lettres dessins, qui sont le début d'une longue correspondance. L'art est leur maison, leur notoriété est devenue internationale. Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phalle et je fais des sculptures monumentales. Je suis Jean Tinguely et je fais des machines qui ne servent à rien. Un effort physique extraordinaire, les machines. En général, cette machine est fou, rien, elle est là. Elle est avec elle-même, tout seul. Alors déjà, elle a un avantage mécanique et technique sur les autres machines, c'est que déjà, elle doit faire rien. Elle est gratuite, elle est libre, elle n'est pas un esclave. À Soisy, ils ont chacun leur atelier. Et la vie commune apaise Niki. Sa pulsion créatrice change de forme. Les nanas représentaient pour moi le symbole de la femme joyeuse, libre, sûre d'elle-même. C'était les nanas au pouvoir, c'était les femmes au pouvoir. Elles représentaient le côté féminin en nous tous, dans les hommes, aussi bien que dans les femmes, qui n'a plus de possibilité de vivre aujourd'hui dans notre monde sur-scientifique où c'est seulement les qualités masculines, les qualités de du cerveau abstrait qui sont admirées aujourd'hui. Et il y a tout le côté humain, tout le côté féminin, intuitif, magique qui est écrasé.
Pontus Hultén, qui est directeur du musée de Stockholm, est séduit par les nanas. Il invite Nicky et Jean en 1966 à réaliser une œuvre collective et éphémère. L'artiste suédois Peter Hultveld les rejoint pour construire la Hon, une déesse païenne de la fécondité. Nicky crée le modèle de la nana géante et Jean lui donne ses proportions réelles. La Hon mesure 28 mètres de long, 9 mètres de large et 7 mètres de haut. Tous travaillent 18 heures par jour pendant 6 semaines. Pontus Hultén décide de garder le projet secret, derrière un écran géant, pour qu'aucune rumeur ne parvienne aux autorités qui risqueraient de fermer l'exposition avant qu'elle n'ouvre. À l'intérieur, le public découvre une galerie de faux tableaux, un cinéma, un milk bar dans le sein droit et un planétarium dans le gauche. Il est invité à entrer par le sexe de la sculpture. Il y avait toujours musique de Bach, mais musique d'orgue, légère comme ça, de façon à ce que tu aies l'impression d'entrer dans une église. Et en même temps, tu voyais la roue qui tournait, alors tu ne savais pas si tu étais dans une usine. Et les poissons et tout, c'était fait de façon à ce qu'il y ait un maximum de diversification de sentiments déclenchés en toi quand tu rentrais là-dedans. I was suffering to do such a big, huge nana for you, and I was thinking it's only a piece for Nicky. And Nicky was suffering that we did a big nana like that. I remember you had a problem with that. Yes. It was like a laboratory of dreams, and we had fight, we have discussions. You know exactly that you never could do that alone. It's impossible for two to do things like that alone. But you see, today, then it bothered me, but I don't think it wouldn't bother me today. Yes, this time, the Hon 66. Yes. That's different. But we had a real trouble. We had really, in the beginning, we had a lot of trouble. But of course, we with this trouble, with this pain, we were winning. I'm sure we are winning with a problem like that. And we get through, and in fact, it was marvelous. It was really marvelous, not for us only, but we saw it in the face of the people. Est-ce le plaisir éprouvé par les visiteurs de la Hon? Toujours est-il que la natalité a sensiblement augmenté l'année suivante à Stockholm. La Hon est détruite 3 mois plus tard. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de décor. Dans leur maison de Soisy, l'ambiance est gaie et mouvementée. Des amis passent, d'autres artistes viennent travailler. Ça fait une bagarre monstre, oui. Parce que, tu vois, c'était une pièce de théâtre qu'on avait, que cet ami à nous, qui est un poète, a écrit. Et alors, il voulait... Le vent de liberté de l'époque incite Jean et Nicky à d'autres relations amoureuses. Mais la création garde la première place. Il y avait de l'œil qui coulait, tu vois, du vert, du rose. Il y a des gens qui sont presque tombés dans les pommes, tu vois. C'était vraiment un assassinat fantastique, tu vois. On aurait pu s'imaginer une musique très... d'un Coppelia, par exemple, tu vois. Mais c'était pas Coppelia. C'était John Cage et ses musiciens qui faisaient ce qu'ils voulaient. Mais en fait, c'était très préparé, tout ça. Ils démontaient les instruments, ils essayaient d'accorder une flûte dans une trombone, et ils mettaient des tuyaux, ils mettaient du chatoton, ils bricolaient, et ils essayaient de faire un ton. Ça marchait pas, ça marche pas. Mais c'était d'un drôle, tu sais, vraiment très comique. Alors la salle, elle crevait vraiment. En 1967, le ministère de la Culture confie à Jean et Nicky la représentation de la France à l'Exposition universelle de Montréal. Ils inventent le paradis fantastique. Arrive Nicky, superbement habillé, avec un boa, très star, très impressionnant. Et venant d'une certaine façon, non pas m'insulter, mais dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» etc. Vous avez l'exposition de Montréal, il faut faire quelque chose d'éclatant, et avec Jean, nous avons un projet, venez voir. En avance sur la guerre des sexes, les deux artistes mettent en scène le masculin-féminin avec 13 sculptures qui s'affrontent en face à face.
ils font un jeu de leur vécu amoureux. Ils le figurent avec une violence affichée dans l'œuvre commune, mais l'art transcende les genres et les deux artistes en font une guerre des joies, une expérience jubilatoire. J'éprouve un grand enthousiasme. Je suis totalement dans le bain. Je suis ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour moi, mes sculptures représentent le monde de la femme. Amplifiée, la folie des grandeurs des femmes. La femme dans le monde d'aujourd'hui, la femme au pouvoir. Et en face de mes sculptures, il y aura les machines agressives, menaçantes, de Tinguely qui représentent le monde de l'homme. Ça représente aussi la nuit contre le jour. Ça représente les éléments mythologiques, les rêves, les aspirations de l'homme contre les machines agressives. En même temps, c'est une collaboration que je trouve va très loin pour nous deux. C'est une rencontre dans laquelle la collectivité pourra retrouver ses propres rêves. On a déjà fait des expériences ensemble et elles nous amènent tous les deux à faire mieux, à faire nouveau, avec des matériaux nouveaux. On gagne, vous voyez, on en sort vainqueur chacun pour soi. L'essentiel, l'avantage pour nous deux, c'est qu'il y a confrontation et que cette confrontation ne nous aplatit pas, au contraire, nous rehausse, nous amène un escalier plus haut, une marche de l'escalier plus haut. Les émanations toxiques du nouveau matériau découpé à chaud, le polystyrène, attaquent gravement les poumons de Nikki. Well, actually, it's very strange because the fantastic paradise relates to this in a weird kind of way because that was the first time. Remember when I was making those nanas in that studio in Paris, and I was cutting the polyester with those wires? Well, I got burned. My lungs got completely burned with polyester, and I had spent a couple of months in the hospital then, as I'm very allergic to polyester. But since it's very strange to have the material that one really likes to create with is absolutely deadly, is my enemy. Un ennemi qui, hélas, l'accompagnera toute sa vie. L'opération s'est progressivement montée. Non sans frayeur, budgétaire, frayeur institutionnelle, frilosité, du démarrage jusqu'au moment où on a posé les choses sur place à Montréal. Il y a une autre anecdote assez drôle. On était en terre alors extrêmement catholique. Robert Bordaz, qui à l'époque était commissaire du pavillon de la France, a invité l'archevêque de Montréal à prononcer une messe sur le toit du pavillon. Donc il a fallu en toute hâte regrouper tout ce petit monde. C'était un très grand monde parce que les sculptures avaient 3-4 mètres de haut, les remettre dans un coin, les couvrir pour éviter qu'il y ait un caractère blasphématoire dans cette présence. Et c'était assez drôle parce que sous la toile, on voyait évidemment les fesses des nanas et les pointes de Tinguely qui, pour ceux en tout cas qui savaient ce qu'il y avait derrière, étaient parfaitement explicites. Le paradis fantastique est démonté et installé à Central Park, à New York en 1968, puis à Stockholm, définitivement. Thank you.
Des nuages apparaissent à l'horizon du couple dans les années 70. Jean veut un enfant. Nikki n'en veut pas. Elle en a deux de son premier mariage. Elle sait que la création exige tout son temps, absorbe son être entier. Le couple se distend. Jean s'installe en Suisse avec une nouvelle compagne qui lui donnera un fils. Quand Jean installa Micheline Gigax dans sa maison de Fribourg, je fus jalouse et malheureuse. Mais après la première période de jalousie passée, Micheline et moi sommes devenues complices. Chacune probablement à la longue, reconnaissante de ne pas avoir en permanence sur le dos cet homme extraordinaire, mais aussi très difficile à vivre. Il y avait un côté enfantin et si attachant chez Jean qu'on finissait par tout lui pardonner. Combien de fois je l'ai chassé de ma maison et de mon lit, et avec sa ruse géniale, il réussissait toujours à revenir. Cela l'amusait de me reconquérir. Jean ne peut pas se passer de Nikki. Il se marie le 13 juillet 1971 à Soisy-sur-École. Mais cela ne changera rien aux incessants voyages du sculpteur entre la France et la Suisse. En 1972, la ville de Jérusalem commande à Nikki une œuvre destinée à une aire de jeu. Elle conçoit une sculpture-architecture monumentale, le golem. Jean offre à Nikki son génie d'ingénieur, son œil Moyen-Âge infaillible, qui transpose les modèles de Nikki. Il réalise la structure métallique. Il fait venir ses assistants Rico Weber et Sepp Imhoff, que Nikki appelle le All-Star Swiss Team. Et pendant 6 mois, il tresse le golem. Le budget de la ferraille double en cours de route. Et quand les responsables du projet veulent savoir pourquoi, Nikki hésite. C'était gênant de dire la vérité. Jean s'était mis en tête que si un jour Jérusalem devait être détruite par les bombes, un seul édifice resterait, le golem. Il avait donc demandé à Rico de faire un châssis tellement dense qu'il résisterait à tout. Le golem est un bunker. Depuis l'inauguration, les enfants se régalent de glisser sur les 3 langues toboggans conçus en hommage aux 3 religions. Collaboration is very exciting. It's also it also poses lots of psychological problems of one's own identity, and there is a certain friction which goes with it. And but for me, it's always proved to be something very positive. First is a fight. You have to make it with people that you don't understand, with people you have difficulty to get through them work, that they are mysterious for yourself. Then you can do something. If you do it with a brother of you, then you can't do anything. And I think it's a good thing for egoistic artists who are like we are, egoistic, megalomaniac in a way. It's good to keep his ego down a little bit. Well, I know for me, for one thing, it's certainly collaboration has made me much more modest, because one of the things that's really awful about artists is that they really think that they're, you know, the top of the world or something, because you're so involved with your own visions and images, and that collaboration, I realize there are a lot of things that I can't do without either Jean's help or someone else's help, and so it makes one, it puts things back into a more real proportion. Quand on travaillait avec Nikki et Jean, on était toujours dans une surenchère. C'était « on va être plus fort, je serai plus fort que toi, c'est à toi d'être plus fort que moi ». On était toujours dans cette compétition active, mais positive. Jean était en compétition avec Nikki et Nikki était en compétition avec Jean. C'était leur moteur. C'était comme ça qu'ils alimentaient leur projet. Et les artistes qui venaient les rencontrer
était dans ce même état d'esprit. La surenchère de Jean s'appelle le Cyclope. Dans le bois des pauvres de Milly-la-Forêt, il commence une sculpture super monumentale de 22 mètres de haut, 400 tonnes de ferraille, et il invite 15 artistes à y participer. Nikki lui offre la somme nécessaire pour démarrer les travaux. J'ai eu la chance à ce moment-là de vendre ma première grande sculpture à Alexandre Yolas pour 10 000 dollars. Quand il a su que l'argent irait pour la tête de Jean, il m'avait préparé une petite mallette en cuir noir très jolie, pleine de billets de 100 et 500 francs, attachée par petites piles avec des rubans roses. Jamais je n'avais vu autant d'argent. J'étais éblouie. L'assistante de Yolas me tira à part. « Nikki, fais attention, c'est le truc de tous les grands marchands pour faire que les artistes aiment l'argent. Personne ne résiste aux billets. Et quand tu rentres à la maison, compte les billets. Ça m'étonnerait qu'ils soient tous là. » Elle avait raison, il en manquait un peu, pas trop. Je n'ai jamais rien dit à Yolas, j'avais trop apprécié la mise en scène. Et puis, quelle joie de remettre cette jolie mallette à Jean pour sa tête. Dans le secret de la forêt, Tinguely commence cette construction monumentale et totalement autofinancée qu'il dédie à la jeunesse. C'est le rêve d'une utopie et d'une action sans limite, la recherche de l'acte gratuit et inutile. Intelligent, les moteurs. C'est terrible, l'esclavage. Non, c'est une construction sur laquelle nous travaillons en commun. 6, 10, 5, 15 artistes et constructeurs et non-artistes. Et on va essayer de faire un mythe dans la forêt. Un objet mythologique qui deviendra avec le temps, il sera propriétaire de l'imagination des gens. Ce ne sera pas tellement attaché à la personne d'un artiste, ce sera une chose collective. J'aimerais bien atteindre une espèce d'intensité correspondant à nos conflits de l'Occident. Aux horreurs de l'Occident, aux joies de l'Occident, à la folie de l'Occident, à la 36 000 façons d'être plus ou moins déséquilibrés que nous avons mis au point. From a bourgeois background, it irritates me enormously that here I am, I was a rebel, I escaped from that background, I said to hell with all of you, and now it's these people that are putting my work in their gardens, so it's very hard for me to swallow. So that was one of the reasons to escape from this was the Nana balloons. And then I decided, well, okay, so now I'll use the money that all these people can afford. These people who are like my family, je vais les plumer, so that then I can be able to go on and do architectural things and things that I really want to do for everyone. Le mot art fait son apparition à plein milieu de la Renaissance. Aucune notion d'âge, ni chez les Égyptiens, ni chez les Mayas, ni chez les Indiens, ni chez les Chinois, ni chez les Grecs. Elle a été inventée il y a 350 années. Et on a fait une vaste escroquerie avec ça. Et je trouve qu'il y a un mot qui est mieux, c'est la poésie. Le mot poétique est beau, parce que c'est au fond un mot étonnant, parce qu'il veut dire vivre simplement. Et ça, ça me va. Mais le mot art, c'est de la cochonnerie, c'est vrai. Il faut savoir que si on se fait payer pour ça, on est une pute, c'est comme si on le détruisait. Le vendre, c'est le détruire.
Mais le vendre très cher, c'est le détruire encore plus. Et quand c'est encore plus cher, quand ça vaut 300 millions de dollars, vous pouvez le mettre à la poubelle. Il n'y a plus rien, il ne contient plus rien, plus de poésie. Il n'est qu'un morceau, un paquet de fric. Et c'est détestable. Et j'aime pas l'art. I don't care about money at all. As long as one has enough to go on and doing the thing one's interested in. If you have enough to do something, then it's only good if you can do with the money again something new. Yeah. Then it's good. Otherwise, it's not good. And otherwise, the money kills you. Yes. I don't think an artist can expect. I mean, it's, being an artist, also actors, I think, are in the same situation. You have to expect a certain amount of insecurity. I think that goes with the choice of being an artist, and I mean financial as well as other kinds of insecurity. De Gaudi et du facteur cheval, ses héros depuis toujours, Niki de Saint-Phalle a appris que la monumentalité protège l'artiste du huis clos avec le commerce de l'art et les collectionneurs. Seul le monumental permet d'atteindre d'emblée un large public. Elle en a convaincu Tinguely. Actrice de l'avant-garde des années 60, Niki est devenue une artiste populaire. Having a retrospective is many things. It's very exciting, it's thrilling. But it's also very frightening, because to see 20 years of your life spread out in front of you, well, it's pretty scary. Also, the fact that a lot of my work is autobiographical makes it doubly, I mean, I feel almost like naked here, you know, wandering around there. My whole life is here, my different problems. My work has been in many ways a therapy for me. I started off working when I had a total nervous breakdown when I was 22. And when I was locked up in the nut house, I started drawing all my problems, how I felt about the world, how angry I was. And then I've never stopped. Here I am in the middle of my life, and well, I hope that I'll do bigger and better things, and I don't want it to be a funeral. I want it to be an opening. I want it to be, you know, a challenge. So. Plus qu'un défi, c'est le rêve ancien d'un jardin merveilleux qu'elle réalise enfin. Niki a compris que les arcanes du tarot qu'elle tire depuis toujours seront les créatures du grand œuvre qu'elle commence à Garavicchio, en Italie. Ce jardin, comme le cyclope de Tinguely, sera entièrement autofinancé. Pour en assumer la construction et les mosaïques, elle accepte le lancement d'une ligne de parfums à son nom, qui apportera les quelques millions de dollars nécessaires. Et Jean lui achète des sculptures. Ils ne vivent plus ensemble, mais poursuivent leur collaboration. Une nouvelle fois, Jean l'aide à transformer et agrandir ses maquettes en structures métalliques monumentales. Des années de travaux, et le rêve de Niki vient au monde. Pour rendre les gens heureux, dit-elle. Je trouvais tellement intéressant toutes les cartes que c'était comme un cheminement de la vie, parce que chaque carte contient le bon et le mal de chaque chose. J'ai choisi de vivre dans l'Impératrice, ce sera mon studio ici en bas, pour faire mes dessins, les maquettes, et je me suis fait un petit loggia pour dormir dedans. Comme ça, je peux. C'était toujours un rêve de vivre à l'intérieur d'une de mes œuvres, pour être mariée, pour être soudée encore plus avec ce que je fais.
Je n'aime pas l'angle droit. On en a trop. Ça représente trop pour moi le monde masculin, très net, deux et deux font quatre. C'est beaucoup plus difficile de travailler en rondeur. Ça nous prend, même pour la mosaïque, c'est un travail de folie de mettre ces petits bouts de mosaïque sur les rondeurs. Mais j'aime la rondeur, je me sens... Je pense que la rondeur, d'ailleurs, elle est dans la nature. Et je pense que peut-être elle est féminine. Oui, je vais travailler. Je vais faire des fontaines. C'est bien? Hein? C'est grand. Oui, non, pas, je ne fais jamais très grande, tu vois. Parce que la ferraille, la nature est grande, tu vois, un arbre est comme il est, un nuage est comme il est, et tout est comme ça dans la nature. Alors la machine, je veux lui donner, un rapport, pas gigantesque, mais en quelque sorte plutôt intermédiaire, un médium qui va communiquer avec la nature par l'intermédiaire de l'eau. L'eau, elle est bien, tu vois. Alors l'eau qui cycle, l'eau qui capte le... L'eau qui capte l'arc-en-ciel, quand il y a le soleil qui donne dedans, c'est beau. Et la nuit avec un projecteur, c'est merveilleux. Il m'a emmené lui-même. Il conduisait très vite, la voiture, je me souviens. Et nous sommes descendus donc dans la ville de Bâle. Et il m'a montré la fontaine qu'il avait faite à ce moment-là. Quand j'ai vu cette fontaine, je vais vous dire, j'ai eu comme un coup de foudre. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il nous faut sur le toit de Guercam. J'en ai parlé donc à Jean directement, il m'a dit « Mais j'aimerais la faire, cette fois-ci, avec Niki de Saint-Phalle. » J'ai dit « Mais bien sûr, moi je n'y vois aucun inconvénient. » Parce qu'il a dit « C'est une fontaine qui est de beaucoup plus grande proportion et donc elle ne supporterait pas une espèce de sobriété comme celle de Bâle. Il faut au contraire que ça soit plus vivant, plus coloré. » La place s'appelle la place Igor Stravinsky et ce nom de Igor Stravinsky a inspiré Jean Tinguely à avoir quelques relations. Alors, bien sûr, les plus évidentes sont l'oiseau de feu et le rossignol. Et je me souviens qu'il y avait la question du toit, car le toit de Guercam, c'était vraiment très précieux, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'abord des fuites d'eau, et deuxièmement, que la fontaine soit trop lourde. Et c'est pour ça que ça paraît en métal lourd, mais en fait, c'est de la résine, et tous ces mobiles et tous ces éléments qui constituent la fontaine sont extrêmement légers. Leurs œuvres ne s'affrontent plus. Le monochrome en mouvement de Jean et le figuratif polychrome de Niki se mêlent intimement. Le plaisir qu'ils éprouvent à cette nouvelle collaboration les rapproche, relance leur désir et leur jeu de ping-pong. Tinguely réalise une nouvelle fontaine pour figurer la roue de la fortune parmi les arcanes de Niki, qui lui donne une place d'honneur devant la papesse et le magicien dans son jardin des tarots. Et comme en retour, inspiré par les mosaïques de son jardin, elle a soudain l'idée de recouvrir la face du cyclope avec des milliers de miroirs pour la dématérialiser. Jean Tinguely ne s'arrête jamais. Entre ses expositions internationales et sa construction cyclopéenne dans la forêt de Milly, il travaille comme un fou. À 60 ans, il est frappé par une crise cardiaque, passe plusieurs semaines dans le coma et subit un pontage coronarien. Niki s'installe dans un hôtel à Genève, près de l'hôpital, et lui parle tous les jours, persuadée qu'il l'entend dans son sommeil. Elle lui promet de dédier une chapelle de son jardin à la Madone s'il revient à la vie. Jean se rétablit avec la certitude que Niki l'a sauvé
en ne cessant pas de lui parler. Il se rapproche encore d'elle, et dans les deux années qui suivent, crée trois œuvres pour le Jardin des Tarots. C'est un jardin philosophique, c'est un jardin ésotérique. Elle a choisi les tarots parce que ça lui correspondait assez bien aussi, tout l'aspect divinatoire du jeu de tarot. Elle tirait son jeu et tac, j'ai tiré la tour. Alors maintenant, on va faire la tour. Alors c'est con parce que là, en ce moment, je suis branché avec le diable, mais il faut absolument que la lune qui va arriver... Et elle vivait comme ça, elle vivait vraiment comme on... Un peu comme... Sauf que c'est elle qui tirait son jeu de tarot. C'était tout le temps d'une rivalité positive. Genre, c'était le cyclope, Nikki, c'était le jardin des tarots. Et c'est vrai qu'il y avait un challenge comme ça entre eux. Il me faisait penser à un toréador avec le taureau. Un coup, c'était Nikki, le toréador. Et la fois d'après, c'était Jean. C'était la corrida. Moi, je me souviens de Nikki qui avait fait un boulot incroyable. Les céramiques sur le devant du sphinx, là, qui sont un peu roses et tout. Et quand Jean est arrivé, le premier truc qu'il lui a dit, c'est « Ah, c'est cool, maintenant tu fais du carrelage de salle de bain. » Et c'était un boulot énorme. C'était genre 5 personnes pendant 4 mois, des céramiques à cuire très compliquées. Et c'était tout le temps comme ça, entre... C'était pas de la complaisance. S'écrase pas. Premièrement, c'est de la bataille, premièrement. Alors on est rivaux. On essaie de s'écraser, peut-être. Quoi? On essaye. Tu crois qu'on essaye? Moi, je crois, oui. Dans notre travail, on commence comme ça. Généralement, quand on fait une collaboration, Jean me dit de commencer. Alors, moi, je fais plein de propositions, et lui, il vient, il fait son shopping. Dans le cas de Château Chinon, alors là, il m'a fait un couvage, et il est venu, il m'a commencé à me casser les sculptures. Alors, je les regardais, je dis, non, voyons ce qui va se passer ici. Parce qu'au fond, il en a fait des fragments, et c'était très beau. En plus, tu as eu le plaisir de m'amuser, de me faire ce choc, de couper les sculptures. Mais non, il y a toujours cette espèce de... Je crois que c'est le destin, que nous pouvons... que nous avons eu cette remarquable chose de se stimuler, de faire des choses ensemble. Il y a cette rivalité, c'est un jeu d'amour aussi. Et il y a beaucoup d'amour dans notre... et de jeu, parce que nous aimons jouer, Jean et moi, nous avons toujours joué ensemble. Il y a toujours l'amour. Sans amour, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire. L'amour est la base, c'est la flamme, c'est le feu. Je veux dire, ça ne se passe pas tellement, il ne faut pas penser que ça se passe tout comme ça. Je suis une rescapée de la mort. J'avais besoin de laisser la petite fille en moi parler enfin. Nikki a 60 ans et publie le livre « Mon secret ». Ce même été, mon père, il avait 35 ans, glissa sa main dans ma culotte comme ces hommes infâmes dans les cinémas qui guettent les petites filles. J'avais 11 ans et j'avais l'air d'en avoir 13. Il avait brisé en moi la confiance dans l'être humain. Jean connaissait le secret. Sans doute sa confiance et son amour ont-ils aidé Nikki à restaurer sa part blessée. Un homme, une femme, de jour en jour, d'œuvre en œuvre, l'alchimie des différences a opéré en paroxysme. Ensemble, ils n'ont pas fait d'enfants, mais des œuvres monumentales partout dans le monde.
Jean meurt le 30 août 1991. La mort de Jean laisse Nikki profondément bouleversée. Pendant 2 ans, elle se débat dans les méandres du droit moral que l'artiste lui a laissé sur son œuvre. Elle traverse le chaos, n'a de cesse de mener à terme les projets du sculpteur laissés en suspens, de veiller à l'entretien de ses œuvres, de leur donner un grand musée. Eh bien, Jean me disait souvent, quand je mourrai, mon œuvre mourira avec moi. Et moi, j'ai dit non. Alors, je voulais que son œuvre vive, et c'est pour ça que j'ai fait cette donation au musée. C'est pour... Comme ça, Jean, il est toujours là avec nous. Elle protège le Cyclope et y fait entrer les œuvres que les amis de Jean, Soto, Armand, Rivers, César, avaient promises depuis longtemps. Dans l'intimité de sa peine et pour poursuivre leur merveilleuse collaboration, elle intègre dans son propre travail le mouvement cher à Jean Tinguely et commence la série des tableaux éclatés. J'ai résolu mes problèmes, comme toujours, par une métamorphose. Ma nouvelle manière de communiquer avec Jean, ce sont mes méta-Tinguely. Une cellule électrique les met en marche, donc il suffit que quelqu'un passe devant pour qu'ils s'animent. Si je descends au milieu de la nuit pour manger une banane, je suis accompagnée de jeux de lumière, sons, mouvements et bruits doux. Dès lors, Nikki passe tous ses étés en Italie pour poursuivre son travail de titan au Jardin des Tarots. Mais elle vit en Californie, dont le climat lui est bénéfique. Elle meurt le 21 mai 2002 et laisse son jardin inachevé. Il y a aussi un mystère que je ne peux pas m'expliquer. Un mystère, pourquoi je sais qu'on peut nous enfermer et on recommence à jouer et à trouver un autre truc. C'est un mystère et quelque part une chose qui m'échappe. Oui, naturellement, c'est pas clair. On n'aura jamais la réponse totale. Je ne sais pas savoir pourquoi.